Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tout nouveau rituel, un rituel d'urgence en 1 heure, donc très puissant et efficace, on me l'a demandé. Donc voici, vous êtes servis, parce qu'il y a des personnes qui veulent des rituels d'urgence quand c'est vraiment très urgent. Voilà, donc ça c'est si la personne s'éloigne, enfin toujours les mêmes choses. Alors n'oubliez pas que si vous voulez me contacter pour si vous êtes intéressé par des rituels personnalisés que je ferai donc à votre place. Donc vous pouvez me joindre sur ce, vous m'envoyez un WhatsApp ou vous m'envoyez un email. Et si vous êtes intéressé par les formations qui sont sur, enfin que j'ai créées donc sur la loi d'attraction, sur les rituels secrets. Alors, de toute façon, tout est en dessous dans la description. Sous la vidéo et en premier commentaire épinglé. Donc, vous pouvez aussi prendre, je vous la recommande, l'atelier masterclass gratuite. Vous verrez ça en haut à droite. Vous tapez sur le i ou vous verrez masterclass gratuite, atelier gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un couteau ou un cure-dent aussi, c'est bon. On aura besoin d'un stylo, on aura besoin d'un fil rouge ou ceci, parce que là je ne sais plus où j'ai mis mon fil rouge, donc du coup j'ai pris cette bande ou un fil enfin, de couture ou un fil de laine, un fil, même un fil électrique, même vous pouvez, si vous n'avez pas d'autres fils. Du miel, oups, et une bougie. Alors, n'oubliez pas aussi, vous pourrez. Avant de démarrer, vous procurez les livres sur Amazon ou tapez Faraqué et vous verrez tous mes livres, comment par exemple sortir d'une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger, comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. Ce sont des livres de coaching, comme si je suis en coaching avec vous. Il y a aussi le premier tome de la loi d'attraction, voilà, avec des secrets que vous ne trouverez pas sur Internet, je vous le dis, et les rituels secrets aussi. Que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Sinon, vous tapez Faraqué sur Amazon et vous tomberez sur tous mes livres. Alors, on va donc démarrer. N'oubliez pas de faire 2-3 fois le rituel pour que vous soyez dans une bonne énergie et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Alors, on va commencer. Pour commencer, on va allumer la bougie. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, on va prendre un morceau de papier. On va le déchirer. Peut-être que vous pouvez prendre un papier un peu plus grand, parce que là, ça va être petit. Mais bon, voilà. On va le faire comme voilà. Il vous faudra 2 papiers, hein, si je ne l'avais pas dit, 2 morceaux de papier. Alors, sur le premier bout de papier, vous soyez bien attentif, faites ça au calme. Vous allez écrire donc votre prénom. Ici. Cette fois. Alors, 2, 4, 6 et 7. Voilà. Donc, vous allez écrire comme ça, 7 fois votre prénom à vous. OK? Alors, vous allez mettre votre signe astrologique en dessous. Voilà, je mets mon signe, c'est pas une très belle écriture, mais signe astrologique. OK? Ici, juste en dessous. Et au-dessus, vos prénoms 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sur l'autre bout de papier, on va, parce que là, il est un peu grand. Encore une fois, 2, c'est OK.
Et voilà, donc vous allez faire la même chose. Vous allez déchirer les bouts. Il ne faut pas toujours le faire pour les rituels, mais sur celui-là, il faut le faire. Voilà. Et vous allez écrire sur ce papier-là son prénom. Donc cette fois, et on va mettre aussi son signe de 4, 6, son signe astrologique à lui. Et je vous montre, voilà. Donc son prénom et son signe astrologique. Si jamais vous n'avez pas essayé de la voir, si vous avez à peu près le jour, même si vous n'avez pas l'année, vous pouvez avoir son signe astrologique. Au pire, si vous ne l'avez pas, vous mettez une caractéristique physique de la personne. Mais c'est mieux d'avoir quand même son signe astro. Alors, ensuite, vous allez prendre de la salive et frotter sur le prénom, le nom. Frottez dessus. Ensuite, vous allez prendre votre nom, l'autre papier, vous mettez de la salive et vous frottez aussi. Prenez le temps pour frotter, bon, moi je vous le montre comme ça. Vous frottez, hop, avec vos doigts. Ensuite, on va mettre du miel, un peu de miel sur un bout, sur un papier, et un peu de miel sur l'autre papier. Et on va refaire la même chose. On va donc frotter avec les doigts sur tous les prénoms, le signe astro, ici, voilà. Bon là, je n'ai pas bien fait, mais il faut que tout soit rempli en fait. Votre prénom, signe astro, son prénom et le signe astro. Alors, ensuite, donc n'oubliez pas, vous pouvez me joindre ici. Là, si on me vole mes vidéos, les gens ne se feront pas arnaquer, ne seront pas passés pour moi, puisqu'il y a mes coordonnées. Alors, ensuite, vous allez prendre, voilà, et avec vos deux mains, vous allez visualiser, hein, bien visualiser, mettez bien vos mains au-dessus, les deux papiers, ok. Ensuite, vous allez coller les deux papiers, que ce soit votre prénom ou son prénom au-dessus. C'est la même chose. Ils soient bien collés ensemble. Vous voyez? Là, vous pouvez bien faire comme ça avec vos doigts. Comme ceci. Ensuite, vous allez plier le papier en quatre. Donc, une, deux, 3 et 4. Voilà, en 4. Ensuite, avec le couteau, vous allez planter le couteau en disant le prénom de la personne vient à moi. Le prénom de la personne vient à moi. Le prénom de la personne vient à moi. Donc faites attention de ne pas vous couper, là j'ai failli me couper le doigt là. Et ensuite, vous allez l'entourer du fil rouge. Et vous allez mettre le papier près de la bougie, comme ceci. Okay. Et vous allez laisser donc près de la bougie une heure. Si elle est consumée, ce n'est pas grave. Si elle n'est pas consumée, vous pouvez l'éteindre après une heure et le rituel est enclenché. Alors, j'espère que vous aurez aimé. Donc, si vous voulez me contacter, vous savez où. Et n'hésitez pas à récupérer votre atelier gratuit, votre masterclass gratuite. Et on se retrouve pour un prochain rituel.